Alors, je vous refais un tuto express sur comment exploiter ce type de graphique pour déterminer la fréquence, la période puis la fréquence, à partir de l'enregistrement d'un signal périodique. On voit bien que c'est un signal périodique, j'ai un motif qui se répète une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Donc là, je vais mesurer trois périodes. Je diviserai par trois, c'est plus précis qu'en prendre une seule, par rapport à la précision de ma règle. Et ensuite, à partir de la période, je pourrais obtenir la fréquence, mais attention, je vais mesurer des centimètres. Et mon axe est des millisecondes, donc il va falloir faire une correspondance entre les centimètres et les millisecondes. C'est parti. Donc, je vais partir d'où en fait, hein? Je pourrais partir du maximum, mais je peux aussi lui dire, par exemple, je vais utiliser l'intersection de mon zéro, hein, de ma ligne zéro, avec cette grande montée. Donc ça veut dire que là, c'est le début de ma période, et là, ça sera pile la fin, le début de la suivante, etc. etc. Donc j'ai repéré quatre points. Entre ces quatre points, ça me définit une, deux, trois périodes. Donc ici, je mesure précisément. Donc je place bien ma règle sur le zéro, à l'intersection, et je vais voir ce que ça donne. Donc le zéro, ici, on est bien, et on est pile entre 17,3 et 17,4. Eh bien, ça va nous faire du 17, on extrapole au maximum. Ça va nous faire du 17,35. Alors, 17 0,35 centimètres, ça correspondrait à, on a dit, trois périodes, hein, pour 3T. Je mets pas égal parce que, attention, je mets pas égal parce que une période, c'est une durée, c'est des millisecondes, c'est pas des centimètres. Donc, la correspondance, c'est quoi? C'est 20 millisecondes correspondent à, sur notre graphe, 20 millisecondes, c'est entre cette première droite. Et cette deuxième droite, cette droite pointillée, hein, qui c'est le zéro, le départ de notre enregistrement, et ici l'arrivée de notre enregistrement. Donc je mesure la distance que j'ai entre ça et ça, entre ces deux droites. Je vais me placer à l'intersection, c'est plus facile. Et je vais avoir exactement 22,6, vous l'aviez déjà mesuré en TP. Et j'ai ma correspondance. 20 millisecondes correspond à 22,6 cm. Hein. Ici, c'est ma distance sur le papier. Et ici, c'est ma durée. Donc c'est ma durée, donc en l'occurrence ma période. Ma ou mes périodes, là c'est trois périodes. Donc si par exemple je prends mes 17,35 cm, mes trois périodes, je peux calculer maintenant avec une simple règle de 3 combien ça va me donner. Ça serait 20 fois 17,5 divisé par 26, et bien 15,5 millisecondes. Je garde 4 chiffres significatifs, 1, 2, 3, 4, parce que c'était la précision de ma mesure de départ. Voilà, donc 17,35 cm correspondent à 15,35 millisecondes. Ça, c'est 3T. Si 3T égale 15,35 oui, ça, millisecondes, je vais avoir T égale, alors je prends directement la valeur de ma calculatrice, je divise par 3, 5,12 avec l'arrondi. Alors, 4 chiffres significatifs, je peux aller jusqu'à 5,118. 5,118 millisecondes. Ça, c'est ma période. Et mon inverse, c'est tout simplement ma fréquence, pardon, tout simplement l'inverse de la période. J'ai plus qu'à utiliser. Alors, je vais diviser par 1000 pour avoir des secondes, parce que là, je suis en millisecondes. Donc, ça, c'est en secondes. Et je prends l'inverse, fonction inverse ici. Et j'obtiens 195,38, donc 195,4. Si j'arrondis à 4 chiffres significatifs, 195,4, 1, 2, 3, 4 chiffres significatifs, Hertz, hein, puisque cette fois-ci on est sur une fréquence. Voilà comment faire ce type d'exercice.